Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore, de retour avec vous avec une programmation d'automne très riche de notre radio Canal M. Je suis très heureuse de revenir à l'antenne pour aller à la rencontre de d'autres femmes, toujours aussi inspirantes les unes que les autres. En parlant d'inspiration, j'en reçois toute une aujourd'hui. C'est une artiste qu'on dit volcanique, elle se nomme Elkana Talbi, aussi connue sous le nom de Quinca. On retrouve Elkana Talbi de plus en plus sur la scène au Québec. On l'a vu ce printemps d'ailleurs au théâtre dans les pièces Pétrole et Biron, Styron et moi, à la télé dans Du monde des mots. Et on a vu également sa poésie la conduire parmi les finalistes du prix littéraire Nouvel Apport. Bonjour Elkana Talbi. Bonjour Marjorie. Alors il faut qu'on dise aussi alias Quinca. Exactement, ouais. Voilà. Et puis Elkana, ma première question c'est vraiment celle-là, hein. D'où vient le nom de performeuse Quinca, que je trouve beau d'ailleurs? Ah merci, ben, alors il n'est pas très loin de mon prénom. Il faut savoir que Elkana c'est le nom d'une reine berbère, donc de l'Afrique du Nord, Amazigh, et qui se prononce Elkahina, donc la Kahina. Et quand j'ai commencé à faire des scènes de slam, des scènes de performance, j'ai voulu avoir un, comme ils disent les Français, un blaze, donc un nom de scène. Et donc, Quinca est arrivé de façon assez naturelle parce qu'il y avait quelque chose un peu de l'aspect urbain, du rap et tout ça. Donc, le côté queen. Oui. Et K.A., donc pour Kaina, donc la reine Kaina. Alors, c'est mon nom, mais comme j'aime bien dire, un peu pimpé, un peu plus street. Oui. Et puis, en plus, que vous habillez très, très bien, hein, ah, franchement. Ah, merci, c'est gentil. Donc, j'aimerais savoir, parce que vous avez une sœur, Inès, et puis vous êtes très, très proche, hein, même, même vos, comment je veux dire, vos carrières aussi sont parallèles, mais parfois vous retrouvez. Oui, c'est vrai, on se croise et tout ça. J'aime bien dire que la différence entre Inès et moi, pour le moment, c'est qu'elle chante et moi j'écris des poèmes, mais sinon on fait tout le reste, on le fait pas mal ensemble et on le fait aussi, donc on joue les deux. Inès fait plus de mise en scène aussi depuis quelques années, mais on est des touches à tout. Depuis qu'on est jeune, on a toujours aimé tout faire au niveau de ce qui se fait dans le monde des arts, que ce soit écrire ou être sur scène. Oui. Alors, on a des carrières parallèles, mais qui s'entrecroisent à chaque moment. Ah, ouais. Beaucoup, car Inès m'engage énormément pour faire plein de projets, j'avoue. C'est grâce à elle. Elle tire un peu. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre enfance. Est-ce que vous êtes seulement deux filles ou bien... Oui, on est juste deux filles, exactement. Okay. Oui. Alors, racontez-nous ça. Alors, on a 5 ans de différence. Oui. Et donc, très jeune, c'est devenu ma poupée. Et puis, assez rapidement, ça s'est inversé. Puis, ma sœur ayant un bon caractère et beaucoup d'énergie, on a commencé à faire des... Ma mère, elle était très fervente de toutes les activités culturelles qui s'offrent dans les arrondissements, les activités sportives. Donc, elle nous inscrivait à tout. Elle nous disait, peu importe si vous arrêtez après un an, je veux que vous fassiez des activités. Donc, elle nous inscrit aux cours de théâtre. Pour Inès, il y avait eu du plongeon, de la danse. Okay. Moi, j'ai fait de la ringuette aussi. Donc, toutes les activités qu'on voulait faire, on les faisait, le tennis et tout ça. Donc, on a très rapidement fait beaucoup d'activités ensemble. Et par la suite, on a été très proches jusqu'à... Il y a toujours le petit moment d'adolescence, le fameux 5 ans qui est plus problématique, disons, quand moi j'avais 19 et qu'elle en avait 13. Donc, c'était moins... on était moins proches. Attends, j'ai mal calculé 13 plus 5. Ça marche-tu, mon affaire? 13 plus 5, ça fait 18. C'est ça. Là, je l'ai dit, puis j'ai fait non, ça marche pas. Donc, ce petit moment-là qui était plus problématique. Mais sinon, très rapidement, j'ai aménagé dans un appartement avec ma cousine. Oui. Et là, ma sœur est venue nous rejoindre aussi. Donc, on a toutes fait notre vingtaine ensemble. On a des amis, tous nos amis, c'est des amis en commun. Mm-hmm. Donc, notre enfance a été très proche et puis elle se continue. C'est ma meilleure amie, c'est mon âme sœur. Ah, c'est tellement beau de dire ça. Je sais que vous, justement, dans cette proximité familiale, vous cohabitez aussi également avec votre grand-mère ou vous avez cohabité? Oui, ma mère, très rapidement, aussitôt que je suis venue au monde, demandait à sa mère de venir vivre à Montréal, donc au Québec avec elle. Donc, ma grand-mère, pendant toute mon enfance, passait
un ou deux ans avec nous ici. Elle repartait en Tunisie vivre avec son autre fille, mm-hmm. qui elle aussi avait des enfants en bas âge. Donc, elle a fait ça vraiment longtemps. Donc, ma grand-mère, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère à la maison. Comme je dis, il y a peut-être une année des fois où elle n'était pas là, mais elle était quand même très présente. Mm-hmm. Ce qui fait que mon rapport à la vie intergénérationnelle est très forte. Il faut dire aussi qu'étant des Berbères, Amazigh, des Premières Nations de l'Afrique du Nord, ce rapport aussi à la famille, au clan, côté un peu tribu, il est fort. Alors, pour moi, c'était tout à fait normal que ma grand-mère soit là. Et qu'elle vive avec nous, elle s'occupait de nous pendant que ma mère était au travail et mon père aussi. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Puis il y a le lien intergénérationnel, mais il y a aussi peut-être l'identité. Est-ce qu'elle vous a ancré plus dans votre identité tunisienne? Bien, c'est sûr que comme elle parlait que tunisien, ça nous a quand même permis de ne pas perdre la langue parce qu'on devait parler en tunisien avec elle pour communiquer, ce qui a fait en sorte qu'on a gardé cette langue-là plus présente. Puis il faut dire aussi que la Tunisie, c'est loin par rapport à Montréal. Nous, on n'était pas le genre de famille à retourner à chaque année, donc parce que c'était pas possible financièrement, mais aussi parce que mon père avait un travailleur autonome, donc il pouvait pas juste partir un mois. Je comprends. Donc, ce qui fait qu'on n'allait pas tous les étés en Tunisie. Donc, le fait que ma grand-mère soit là était une manière d'avoir la Tunisie avec nous, plus proche. Puis, on va aller vers votre premier recueil, Moi, figuier sous la neige. Et puis, vous faites de la Tunisie et du Québec un territoire immense. Mm-hmm. Donc, vous l'avez quand même dit en premier, mais qu'est-ce que la Tunisie représente pour vous? Bien, il faut dire que quand on est un enfant de deuxième génération, le lien avec le pays d'origine est complexe, en effet. Et évolutif. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on a une relation des fois amour-haine avec ce territoire-là, dans la mesure où, comme n'ayant pas vécu là-bas, je n'ai pas les référents émotifs, disons, des enfants qui ont émigré, donc qui ont des liens beaucoup plus enracinés dans un quotidien de vie dans ce pays-là. Mm-hmm. Moi, ça a été le pays de mes origines, le pays qui fait que je porte ce nom-là, que j'ai l'air de ça, que tout ça. Et le pays où j'allais l'été, où il y a les oncles, les cousines, malgré que j'avais ici quand même des oncles et mes cousins aussi. Donc, j'avais quand même de la famille à Montréal. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours eu ce regard-là avec la Tunisie qui était difficile parce qu'on m'identifiait à un territoire auquel je n'appartenais pas physiquement. Oui. Et donc, quand je suis venue pour écrire Moi, figuier, c'est vraiment parti de cette idée de revisiter les souvenirs d'enfance et comment, quand je vais en Tunisie, je ne peux pas faire abstraction du fait que je regarde la Tunisie avec mes yeux de Québécoise. Tout à fait, oui. Et je ne peux pas faire abstraction non plus par mes origines du fait que je regarde le Québec quand je vis, du moins, même si c'est pas moi qui le regarde, on me regarde en voyant cette Tunisie en moi, ou du moins ce ailleurs. Oui. Donc, pour moi, c'était de reconstruire ces liens-là et de voir à quel point le voyagement était pas... Même si ça prend 8 heures d'avion, dans mes yeux, à moi, c'est constamment un aller-retour qui se fait en une seconde. Donc, non, tout à fait. Ça prend pas grand-chose pour qu'on me rappelle la Tunisie quand je suis ici. Oui. Et ça me prend pas grand-chose pour qu'on me rappelle le Québec quand je suis là-bas. Là-bas, exactement. Donc, finalement, c'est l'identité multiple aussi qui doit certainement se retrouver dans vos œuvres. Oui, constamment. Oui. Ben aussi, même des fois, quand dans mes œuvres où je ne parle pas d'identité, j'ai l'impression que ce double regard sur la vie, sur les choses est imprimé dans mon écriture parce que j'ai constamment cette façon de regarder les choses dans différents angles parce que c'est une seconde nature pour moi de constamment me sentir mon identité fluide et changeante. Donc, j'observe, je m'adapte, j'écoute, je vois comment les gens réagissent. Je suis du genre à lire une salle avant de rentrer dedans. Je pense que ça, c'est propre à beaucoup d'enfants de deuxième génération ou des enfants de différentes cultures où on est tout le temps... On essaie de s'adapter au lieu où on est.
C'est ça, exactement. La première fois que, en 2005, je pense que c'était Inès hein, qui vous a un peu propulsé. Puis d'ailleurs, elle vous compare avec Clémence Desrochers. Est-ce que vous le ressentez, cette comparaison? Est-ce que vous... Ben, je dirais le lien filial est, oui. est là, c'est sûr, parce que quand j'ai commencé à faire de la performance poétique, mm-hmm. donc à monter sur scène et à dire des textes, que c'était pas des chansons, mais que c'était pas nécessairement des poèmes conceptuels où je lis un texte que j'ai écrit dans un livre où là, vraiment, j'habite physiquement le texte. Oui. On se rapproche beaucoup plus du monologue et une des femmes à avoir fait ça au Québec de façon magistrale depuis plusieurs années, c'est Clémence Desrochers. Mm-hmm. Mais quand j'ai commencé à faire ça, tout le monde me regardait comme si je faisais quelque chose qui n'existait pas ou qu'on ne comprenait oui. pas. Puis je trouve ça toujours bizarre de voir à quel point... On a besoin de mettre les choses dans des boîtes. Puis, tu sais, quand c'est j'expliquais ça. Aux gens, je fais, ben Clémence Desrochers a dit des monologues sur scène, puis il n'y a personne qui cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle fait. On comprend ce qu'elle fait. Puis, elle est comme, ah ouais, okay, c'est vrai. Ben, oui. Tu sais, ils vont des chants aussi. Puis, c'est vrai. J'ai l'impression qu'une fois les générations, ces générations-là passées, mm-hmm. quand moi, j'arrivais, c'était, on dirait qu'on avait oublié ce genre de façon de performer qui est comme une oralité plus narrative ou. Une poésie plus narrative, mais qui n'est pas nécessairement chantée, puis que ce n'est pas nécessairement de l'humour non plus. T'sais. Exactement. Donc, nous allons déjà nous arrêter pour une petite pause musicale. Oui. Et on va écouter « Est-ce ainsi que les hommes vivent mm. » que vous avez chanté, que vous avez interprété. Cette affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle. Sur le canapé du bordel, je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence, elle travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur,
ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Voilà de retour avec Elkana Talbi, autrice, comédienne et artiste de Spoken Word. Oui. Elkana, je vais te poser la question parce que je me suis posé aussi la question. Donc, quelle est la différence entre le slam et le Spoken Word? Alors, il faut dire que le mouvement de Spoken Word, c'est un mouvement qui est venu des États-Unis. Donc, c'est la poésie parlée. Donc, toute performance poétique qui est sur scène, donc mm-hmm. Spoken Word. Dans cette famille-là, donc sous ce chapiteau-là, il y a plein de formes dont le rap, oui. dont les battles qu'on appelle, okay. et le slam, qui mm-hmm. est une compétition de poésie où chaque individu a 3 minutes pour faire un texte a cappella. Quand le slam est arrivé au Québec, même en France, à vrai dire, c'est devenu, le mot slam est devenu le mot pour expliquer le spoken word, parce que ouais. ça sonne un peu français. Okay. C'est slam, slammer, slameuse. C'est plus facile de franciser que de dire spoken word artist, qui reste un mot anglophone. Puis poésie mm-hmm. parlée n'a jamais autant marché. Fait que c'est vraiment la différence, elle est plus difficile à faire en français, parce que slam est comme devenu le mot valise ouais. pour dire spoken word, alors que dans le milieu anglophone, la différence est très claire. You're a spoken word artist. Fait que tu fais de la poésie orale. Uh-huh, and you're doing a slam poetry. Ça veut dire que tu participes à un slam poétique. Poétie. Tu n'es pas un slammer. Ça n'existe pas du tout. D'accord. Hein. Voilà. Ben, merci. De rien. on a écouté à la pause oui. une chanson que tu interprètes. La chanson, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait partie de ta vie aussi? Elle fait partie de ma vie. Bon, pour être ainsi que les hommes et vie, j'aimerais dire que j'étais avec Sophie Cadieux. C'est un duo, oui, donc on est les oui, deux ensemble. Mais c'était pour La Renarde, mm-hmm. pour le spectacle sur Hommage à Pauline Julien. La chanson est dans ma vie parce que ma sœur me tord le bras à chaque fois pour chanter parce qu'elle considère que j'ai une belle voix. Mais que bon, oui. fait que c'est pour ça. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est dans ma vie parce que je suis une grande consommatrice de musique. Mm-hmm. Mais pour ce qui est de faire de la chanson, c'est vraiment à chaque fois parce que Inès m'oblige à chanter. J'aime ça, mais c'est pas quelque chose auquel je me sens à l'aise de faire. Là. C'est un médium que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui font de la musique et du chant. C'est, mm-hmm. c'est pas facile. Mais ça reste quelque chose que j'aime beaucoup. T'sais, pour moi, les chansons, c'est des poèmes. Là. Les textes de chansons, c'est de la poésie. Oui. Donc, pour Est-ce ainsi que des hommes vivent, c'est un texte d'Aragon, de Louis d'Aragon, oui. qui a été repris par Louis Ferré et aussi par Pauline Julien à un moment. Donc, c'est mm-hmm. pour ça qu'on l'a mis dans le spectacle okay. de La Renarde. Ouais. Oui. Dans le recueil « Libérer la colère mm. », paru en 2018 par les éditions Remis Ménage, vous avez écrit le texte suivant, le texte « L'enragé » dans, mm-hmm. dans le recueil, et vous décrivez une de vos colères en disant ceci. « Cette partie, c'est partie du vagin, mon ventre s'est gonflé, j'étais enceinte d'un cri ancestral. » Puis moi, quand je l'ai lu, Elkana, c'est vraiment venu me chercher parce que je me souviens d'une colère que j'avais faite de la sorte et puis que j'avais d'ailleurs exprimée aussi à l'école. Puis quand j'ai lu la façon que vous l'avez écrit, c'était exactement ça. Et c'est drôle parce que c'était dans un contexte comme ça aussi. Mmh. Puis j'aimerais ça que vous parliez de cette colère. Et puis est-ce que... elle s'est dissipée ou est-ce que vous l'exprimez autrement? Je pense que j'ai réussi à l'exprimer autrement, oui. Par l'écriture, beaucoup. Mm-hmm. Je crois qu'il y a beaucoup de moments dans ma vie, justement, quand j'ai commencé à faire de la poésie ou à écrire, ça a été beaucoup pour exprimer ma colère. Il faut savoir que la colère, c'est une émotion qui est très mal vue chez les femmes en général. Oui. Et je te dirais que quand on rajoute la femme racisée, la couche, c'est ouais. encore plus mal vu. Mm-hmm. Donc, on n'a pas une... On a un manque de pas de répétition, mais on a un manque d'exercice à la colère, les ouais. femmes. Ouais. Donc, quand elle arrive, comme elle est arrivée cette fois-là, ça nous...
ça nous prend de court et ça, mm-hmm. ça devient énorme et on ne sait pas trop comment la gérer parce qu'on ne nous apprend pas à exprimer notre colère oui. et à savoir que c'est normal de ressentir de la colère. Mm-hmm. On apprend à apprécier nos émotions. Donc pour moi, quand c'est arrivé à ce moment-là, j'ai réalisé aussi que ma colère passait souvent par les larmes mm-hmm. plus que par la colère. Parce que quelque chose, quand on est en colère de cette violence-là, oui. disons, elle exprime aussi une certaine force, alors que dans la peine, il y a une forme de vulnérabilité qui est plus facile pour les femmes, peut-être, de laisser aller. Mm-hmm. Donc, j'apprends à la chérir, même. J'apprends à l'entendre. Et j'apprends à la rendre constructive et créative, cette colère, parce mm-hmm. qu'elle peut être quelque chose de positif. Et aussi à ne pas la garder à l'intérieur, parce que je pense sincèrement que c'est la pire des choses qu'on peut faire pour les humains en général. Oui. Parce qu'elle va finir par sortir par une autre situation si on ne l'entend pas. Et c'est là qu'elle devient dangereuse, qu'elle devient violente, mm-hmm. qu'elle devient meurtrière, à la mm-hmm. limite. Donc, j'essaie de vraiment la libérer. Ah oui, oui. Mais parce que lorsque vous avez dit aussi le cri ancestral... Oui, ben oui, on porte les femmes en nous qui n'ont pas pu exprimer cette colère-là, tout exactement. À fait. Donc, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est la colère de nos mères, de nos grand-mères, c'est la colère de toutes ces femmes à qui on a dit... Qui se sont tues. Exactement. Ouais. Donc, ça nous habite. T'sais, moi, je crois beaucoup à l'ADN culturel, à l'ADN... Oui. De nos traumas aussi. Donc, mm-hmm. j'ai l'impression qu'en venant au monde, on porte avec nous nos ancêtres, les femmes qui ont vécu avec nous. Donc, oui, c'est pour ça que je l'ai senti venir de loin. C'est comme ouais. si toutes ces femmes m'avaient dit non, là, ça arrête à toi. Ouais. Toi, tu vas l'exprimer. Alors là, tu es sur un territoire où tu peux le faire, dans une époque où tu peux le faire. Mm-hmm. Crie. Oui. Donc, on va vers le plus récent recueil, mm-hmm. qui est Pomme-Grenade, et puis qui est plutôt dans la sensualité, mm-hmm. dans le désir. Puis, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu comment que c'est parti, puis quelle intention avant l'écriture, hein, parce qu'on a ouais. sûrement une intention derrière l'écrit, oui. et quelle a été pour Pomme-Grenade? Alors, c'est drôle parce que, autant que moi, Figuier, ça a été très, très long avant de réaliser que ça allait devenir un recueil, autant Pomme-Grenade, ça a été très rapide. Ça s'est passé pendant la pandémie. Mm-hmm. Je regardais beaucoup de séries télé. T'sais, j'avais un rapport très, très fort avec la nostalgie. Ouais. J'ai l'impression que quand on est face à l'inconnu, comme c'était au début de la pandémie, où on ne sait pas, chaque jour est un nouveau jour, c'est le fameux vivre au présent, mais dans un cas de pandémie où l'anxiété était très forte, on dirait de me réfugier dans les vieux films romantiques de ma jeunesse. Ça me rassurait, ça me faisait du bien, je gérais mieux cette anxiété-là. Et donc, j'ai fait beaucoup de binge-watching, comme on peut dire mm-hmm. en français. Et donc, à un moment donné, je suis tombée sur une série télé qui passait sur Netflix sur une jeune femme d'origine indienne mm-hmm. Qui vivait sa jeunesse, qui aimait un garçon et tout ça. Puis pendant que j'écoutais cette émission-là, c'est ce qu'on appelle les coming of age, là, toutes ces séries où les jeunes sont des ados et qui deviennent des jeunes adultes. Oui. Et là, je me disais, ah, si j'avais eu cette émission-là quand j'étais jeune, c'était vraiment ça, une jeune fille racisée qui est en amour avec quelqu'un qui n'est pas de sa même culture, mm-hmm. là, comment les parents prennent ça et tout ça. Puis j'étais comme, ah, mon Dieu, c'est ma vie. Puis là, je me suis dit, ah, j'ai eu l'idée. J'ai fait, ah, mon Dieu, c'est ça. Il faut que j'écrive parce que moi, Figuier, c'était... Le tiraillement sur le territoire. Oui, là, j'étais là, mais qu'est-ce qui arrive quand ce tiraillement-là est dans le désir? Mm-hmm. Quand le territoire, c'est l'autre? Parce que c'est après nous, c'est la première personne vers qui on va. C'est dans le désir, dans l'amour. On peut s'y perdre, on peut immigrer dans l'amour, on peut mm-hmm. s'oublier. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue. Et l'idée de la pomme, donc le fruit défendu, et la grenade, le côté sanguin et tout ça, et c'est ça qui a inspiré le recueil. Oui. On aura le plaisir là avant la conclusion de l'émission là de lire quelques mais c'est un les mots sont très forts ce que vous choisissez dans ce recueil là donc on va laisser le plaisir pour la fin. Alors, je dois dire que ma recherchiste est une grande fan de vous puis de votre œuvre. Puis, elle me dit que David Goudreau et vous, ce serait dans votre art et dans votre énergie
pour elle, vous êtes des jumeaux cosmiques. Oh. Donc alors, je ne sais pas, elle m'a demandé de vous poser la question. Est-ce que vous le ressentez? Oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça comme ça. Oui, ah, oui, je trouve ça magnifique qu'elle pense ça. J'aime beaucoup David. Mm-hmm. On se connaît depuis les débuts du slam, justement. On a des chemins étant passés les deux par la scène slam pour après oui. Plonger dans l'écriture. David a plongé dans le roman. Mm-hmm. J'ai une admiration sans borne pour lui parce qu'écrire un roman, pour moi, c'est comme l'Everest. Là. C'est, je suis très contente que les poèmes soient courts pour ça. Donc, et il a une carrière qui, ma foi, est de plus en plus florissante et il le mérite oui. Et c'est magnifique. Donc, une plume aussi incroyable. Alors, je suis flattée qu'elle pense que nous sommes des frères cosmiques. Puis en parlant de romans, est-ce que vous avez des... Oh mon Dieu, non. Moi, je vous dirais que le plus loin que je me suis rendue, c'est la nouvelle. Oui. J'ai touché à la nouvelle, mais le roman, j'avoue que non. Non, pas encore. Roman, théâtre non plus, j'ai pas encore plongé complètement dans ces genres-là. Oui. Alors, de toute façon, vous avez tellement de choses à faire. Oui, c'est ça. Alors, ensuite, on sait aussi que vous êtes en lice pour le prix littéraire Nouvel Apport. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce qu'on a besoin d'un prix propre aux auteurs immigrants de première ou deuxième génération? Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, c'est toujours un peu des questions délicates parce qu'on se dit, ah, on est encore séparés du reste des prix ou des lots et tout ça. Puis je peux comprendre les... C'est pour ça que je suis contente qu'ils l'ont changé au départ. C'était le prix diversité et là, a changé pour Nouvel Apport. C'est mieux. C'est mieux, vraiment, je pense. Et je crois que... Je pense que si on garde ces prix comme étant... C'est drôle parce que moi, c'est pour mon deuxième livre, mais je pense que si on les garde pour des débuts de carrière et tout ça, je crois que là, ça va. Mm-hmm. J'avoue que si on m'offrait de me nommer pour Nouvel Apport alors que ça fait 4 livres que je publie au Québec, je serais un petit peu insultée. Là, je serais comme, ben là, ça fait... Mm-hmm. J'apporte rien. Je veux dire, je suis inscrite là-dedans. Donc, c'est sûr que c'est toujours un peu délicat. Mais je sais que ça vient d'une bonne place, qu'on essaie de faire les choses bien. Après, ben, l'idée, c'est que pour moi, c'est des petits... vous savez, les petits trucs qu'on prend quand on est trop petite pour laver la vaisselle ou les petits bancs. Oui, là, les petits bancs. Bon, pour moi, c'est un peu les petits bancs, mais les petits bancs, on l'enlève un moment donné parce qu'on va être assez grand pour pouvoir être à la hauteur de tous. Ben, je crois qu'il y a quand même des choses à réparer et à arranger parce que oui, notre présence comme auteur et autrice racisée, elle n'a pas été assez présente au Québec. Et c'est pas parce qu'il y avait personne qui écrivait. Parce que quand on prend le temps de réfléchir aux gens qui étaient là et qui ont publié, mais qui n'ont jamais eu le rayonnement médiatique, le rayonnement littéraire qui leur revenait, parce qu'on avait une personne qui était racisée, qu'on mettait de l'avant et les autres n'existaient pas. Oui. Je pense que quand on aura réparé ça, même chose avec les communautés autochtones, je crois qu'après, on pourra enlever ce genre de prix ou du moins les changer pour... Mais je pense qu'il y a un manque à gagner qui est important et ces prix-là le sont. Et donc, j'en suis très fière. Essentiel pour faire émerger... Exactement, et pour nous donner la chance d'exister aussi entre nous au départ avant de pouvoir... Donc, chères auditrices, auditeurs, on sera de retour après la pause. Vous écoutez Vivement les femmes. Avec Marjorie Théodore. Toujours en compagnie d'Elkana Talbi, autrice, comédienne et artiste de Spoken Word. Elkana, vous avez été choisie parmi les 14 voix de l'album Les Amoureuses des mots, un hommage à Charles Aznavour. Et puis d'ailleurs, je connais quelqu'un avec qui vous avez partagé une des 14 voix, Rebecca Jean. Oui, avec sa magnifique version d'hier encore. Voilà. Mon Dieu, c'est ma préférée de l'album. C'est magique. lorsque je la mets, je la chair de poule. C'est une grande, grande œuvre. Tout à fait. Puis j'aimerais savoir comment que ce projet est arrivé vers vous. Ben, alors, il faut savoir que l'éditeur donc les droits de Charles Aznavour sur le territoire du Québec, c'est Jean Valiquet, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Donc, Jean travaille avec plusieurs artistes. Il avait fait la même chose il y a quelques années avec des hommes. Et là, il avait envie de le refaire avec des femmes avec qui il travaille. Et donc, il est arrivé avec ce projet l'année passée.
parler, pour nous proposer de choisir notre chanson oui. d'Aznavour et de la mettre à notre sauce, évidemment, à notre style musical. Mm-hmm. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai décidé de prendre « L'amour, c'est comme un jour », une chanson qui n'est pas nécessairement très connue. Connue, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi, parce que comme je l'utilise en faisant une version beaucoup plus « spoken word oui, », beaucoup oui. plus parlée, j'avais envie que ce soit une chanson qu'on redécouvre aussi. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est ça, ouais. parce que lorsque je l'ai écouté, j'ai dit, oh, mais c'est drôle, en plus, je suis une fan ouais. mordue de Charles Aznavour, mais celle-là, vraiment. Non, c'est ça, on la connaît pas. Moins. Oui, oui, oui. Vous faites beaucoup de choses, et puis. Oui. aussi, vous faites partie maintenant du comité sur la langue française oui, de la ville de Montréal. C'est ça. Puis le comité, je pense qu'elle est présidée par Louise Arel. Exactement. C'est ça. Quel est le mandat de ce comité? Alors, le mandat du comité, c'est vraiment de prendre le pouls et de donner des outils aux gens de la ville de Montréal ouais. pour mettre de l'avant la valorisation du français sur le territoire de l'île de Montréal. Mais évidemment, moi étant du milieu culturel, c'est de trouver des façons de le faire qui sont inventives et créatives et de mettre, en tout cas pour moi, qui est important, la valeur culturelle du français, du fait français, mais dans toute sa diversité, si on peut dire. Je comprends. Parce qu'il y a des cultures francophones et donc les gens, beaucoup, ben, vous savez, l'Haïti est un exemple comme les pays du Maghreb où c'est une immigration francophone, en effet. Donc, notre rapport du vivre en français ici est différent peut-être de quelqu'un qui vient d'un pays où le français n'est pas du tout existant, où là, il y a vraiment un apprentissage du français. Mm-hmm. Mais c'est pas juste par rapport à la valorisation du français pour l'immigration, c'est la valorisation du français pour tous. Oui. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, ça reste qu'avec, culturellement en tout cas, avec l'accessibilité aux plateformes anglophones, des fois, on oublie de chérir notre culture québécoise, nos cultures québécoises qui vivent en français. Donc, le français haïtien québécois, le français maghrébin québécois font partie de la culture et doivent être mis de l'avant. Donc, c'est un comité où on réfléchit à tout ça pour arriver avec des propositions pour aider la ville de Montréal et les gens. Donc, c'est ce qui vous a incité à... Ben oui, parce que des fois, quand on veut s'impliquer, je trouve ça important d'être là où ça... où le changement peut avoir lieu, parce que sinon, c'est facile après de dire « il n'y a rien qui se fait, nanana. Mm-hmm. » Je suis sur des CA aussi maintenant. Donc, de vraiment être de plus en plus consciente de mon impact citoyen. Oui. Puis être présente Faut. De comprendre aussi les fonctionnements. Pour moi, c'est un monde. Des fois, j'ai l'impression que je les entends parler, puis c'est comme s'ils parlaient une autre langue, là, parce que je suis comme « oh, OK ». Ce langage politique aussi, cette compréhension des façons de faire, de la politique d'une ville, c'est complexe. Donc, j'apprends beaucoup, puis ça me... Ouais, je suis très contente. Puis j'ai vu, vous êtes entourée d'anciennes politiciennes. Oui, Louise Arel, Baudouin aussi, oui, je crois. Louise Baudouin aussi. Exactement. Aïda Camar, qui est une femme qui a fait beaucoup pour la diversité culturelle. En effet, on est très bien entourés quand même. Oui. Puis avec ça, vous trouvez encore le temps de faire encore plein de choses. Je ne sais pas si je le trouve. Oui, honnêtement, des fois, il est bien caché. Sinon, Inès va vous le trouver. Voilà. Donc, la médiation culturelle auprès des jeunes qui doit être encore très riche. Qu'est-ce que vous faites et puis comment ça vous anime? Ben ça, c'est ça. C'est que j'ai un grand besoin de transmission. Oui. Dans le documentaire que David Goudreau a fait justement sur l'importance de la littérature à RTV, on avait l'épisode où on parlait des ateliers dans les écoles. Et pour moi, c'est important de sentir que je redonne ce que moi m'a donné la rencontre de l'écriture. Oui. On dirait que d'être sur scène et de donner un spectacle, j'aime ça, ça me valorise, mais de voir un jeune utiliser l'écriture et s'en servir et lui permettre de c'est pas obligé de devenir un grand écrivain ou une grande écrivaine, mais que l'écriture devienne un outil d'expression, que le français, justement, devienne un outil de plaisir, que les mots deviennent accessibles et plus faciles. Pour moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un impact concret et réel dans la vie des gens, dans la vie de mes semblables. Mm-hmm. Et ça me valorise énormément plus, des fois même, que faire un spectacle. Parce que là, je le vois concrètement, que ce que j'ai fait
a aidé quelqu'un à aimer plus écrire, peut-être. Puis, vous faites aussi de l'initiation à la poésie. Oui, exactement, des ateliers de poésie. De poésie. Exact. Oui, oui, tu sais, vraiment, d'utiliser la poésie comme un outil d'expression puis de valorisation de la langue et non pas comme étant quelque chose qu'on doit faire pour passer son secondaire 3. T'sais. Oui, trouver en la, effet. Exactement, de trouver. Oui. Parce que dire, s'exprimer, c'est la première chose qu'on fait comme humain. Là. On a besoin de... Donc, je me dis, mon Dieu... se servir de la littérature, de l'art des mots pour dire ce qu'on ressent. Oui. Pour moi, ça fait partie d'une vie riche comme humain. Oui, oui. Puis, vous ressourcez les gens aussi hein, par ça, par cette transmission et tout. Donc, j'aimerais savoir, vous vous ressourcez comment? En lisant ce que les autres font, je me ressource aussi beaucoup quand je donne des ateliers-là, rencontrer des jeunes, les voir écrire aussi, les voir s'exprimer. Oui. Moi, ça me ressource énormément, ça me donne beaucoup là, de faire ces ateliers-là. Sinon, la lecture énormément, ce qui se fait. Puis sinon aussi, juste aller marcher dans une forêt pendant un petit bout, ça me remet la batterie. Mais il faut dire que j'ai l'air très, très occupée, mais c'est que j'ai deux modes dans la vie. J'ai le mode dans le jus ou couch potato. Soit je suis assise puis je fais rien, ou soit je suis très occupée. Mais c'est comme ça, j'ai deux vitesses. Fait que c'est ça. Donc, des fois, le repos fait le travail. Mais sinon, créativement parlant, lire ce que les autres font, aller voir des spectacles. Ouais. J'adore aller dans des micros verts, entendre des gens qui prennent la parole pour la première fois. Ça me ressource. Oui. Ça me rappelle pourquoi je fais ça. Pour jamais être blasé ou déconnecté de la réalité aussi. Oui, oui. Vous avez parlé de repos tout à l'heure. Vous avez été... en vacances. Mmh. Sur quel projet vous travaillez ou vous allez travailler? Alors là, je vais quand même prendre un été plus relax. C'est ça. Quand même. Ouais. Vraiment. Mais sinon, je travaille sur un livre qui va être une anthologie de tous mes textes que j'ai fait en spectacle, comme étant pour Quinca, donc sous le nom de Quinca. Donc, ça, c'est un des projets qui va me tenir un petit peu occupée cet été. Mm-hmm. Et puis, je travaille sur une pièce de théâtre qui s'appelle « Trois » de Mani Soleil-Manloup, que j'avais fait déjà. Il y avait une version à Montréal qui s'était faite, une en France. Oui. Et là, c'est « Trois » Canada. Donc, c'est à travers le Canada. Donc, toute l'automne, je vais me promener autour du Canada. Plus de 30 acteurs vont faire ce spectacle-là. Donc, ça va me tenir occupée cet automne. Donc, c'est un peu comme une tournée? Une tournée théâtrale, exactement. Voilà. Okay. Donc, la comédienne va prendre plus de place cet automne. Oui. Et puis, pour l'écriture, on verra ce qui s'en vient aussi. J'ai une petite idée pour un troisième recueil, mais on n'est pas encore là. Donc, puis après, j'aime bien être surprise par la vie puisque ce qu'elle m'apporte. Alors, qui sait ce qui va s'en venir aussi. Hein. C'est ça. Puis, est-ce que Inès, votre sœur, aurait des projets aussi pour elle vous? Elle va passer avec moi. Elle est avec moi dans la tournée de Trois. Ah, OK. Donc, on va passer l'automne ensemble comme comédienne, les deux. Mm-hmm. Mais sinon, c'est sûr qu'elle a une autre affaire à laquelle elle va vouloir m'embarquer. Ça, c'est certain. J'ai hâte de lui rendre l'appareil, mais je fais pas de mise en scène, fait que c'est plus difficile. C'est sûr qu'on va être ensemble. Nous arrêtons pour une petite pause musicale et on va poursuivre par la suite. Nasceu dia quando o vento mal volia e o céu mar prolongava. Namorada de veleiro no peito do marinheiro que está estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutos de ouro.
te vejo, terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca do marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar. E aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido dar-me no mar sepultura, ora. Por outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que está. Estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro, vê-se ver. Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. De retour avec Elkana Talbi, autrice, comédienne et artiste de Spoken Word. Donc, Elkana, vous êtes en nomination du prix Gémeaux. Pour un rôle de soutien pour les productions de médias numériques. Oui, 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 mon premier. C'est ça, c'est une première. C'est une grande première. Et pas la dernière. J'espère pas la dernière. Ben oui, ouais, ben oui. C'est très touchant. J'ai eu l'information pendant que je mangeais des homards aux îles de la Madeleine l'été. Okay. Donc, c'était très drôle. J'étais comme, j'ai appris. Oui. Mais juste, on le dit souvent, mais juste la nomination en soi est quand même assez formidable pour un beau projet. C'est Dors ça. Avec moi, une série qui était sous Tout.tv Extra, réalisée par Charles Grenier et de Mireille F. Fizet. Mm-hmm. Et donc, avec Sophie Cadieu, justement, là, qu'on a entendu, donc, avec « C'est ainsi que les hommes vivent ». La chanson, voilà, donc, une superbe série web. Donc, je suis très touchée de ça, oui. Oui, une belle reconnaissance. Puis, je pense que le gala, c'est le 18 septembre prochain. Exactement, Donc, croise les doigts. Oui, on va bien suivre ça. En tout cas, félicitations, parce que déjà, être nominé, là, c'est quand même parmi beaucoup. Vraiment. Alors, vraiment. Alors, j'aimerais ça aussi que vous nous parliez du projet Baldwin, Styron et moi. Si vous voulez me parler de ce projet-là. Oui, alors ça, c'est justement l'automne dernier. Il y a le Festival international de la littérature qui présentait une lecture d'un travail de Melika Abdelmoumen
qui s'appelle Baldwin, Styron et moi, qui a pris naissance quand on lui a demandé d'écrire sur l'appropriation culturelle dans la revue Spirale il y a quelques années. Mm-hmm. Et donc, elle est partie de cette relation d'amitié entre James Baldwin, l'auteur afro-américain, oui. et William Styron, auteur okay. américain. Donc, elle parle de cette relation d'amitié et pour un peu expliquer comment elle se positionne aussi par rapport à sa vie, parce qu'elle a vécu, elle est moitié saguenéenne, moitié tunisienne. Okay. Elle a vécu en France aussi une partie de sa vie d'adulte. Mm-hmm. Et donc, elle est revenue au Québec après. Alors, elle nous raconte sa vie un peu et cette relation d'amitié pour parler de l'autre, de soi, de comment on se positionne par rapport à écrire sur l'autre. Parce qu'il faut savoir oui. que William Styron a écrit un texte, un roman qui s'appelle Nat Turner, Les Confessions de Nat Turner, mm-hmm. dans lequel il écrit au jeu comme s'il était Nat Turner, un esclave américain, mm-hmm. afro-américain. Okay. Donc, c'est quoi écrire l'autre? Tout ça, c'est ce questionnement. On l'a présenté au fil l'année passée, donc en septembre, et là, il a été repris pour être en tournée. Donc, on va aller se promener un peu partout au Québec avec ce texte formidable grâce au fil et, mm-hmm. Et à sa création. Alors, je suis très, très fière de prendre la voix. Je suis le moi de William, Baldwin, Styron et moi. Oui. Donc, je fais la voix de Melika Abdelmouane. Je lis sa partie. Donc, c'est formidable. Je suis très contente. Alors, on sera au Québec tout ce printemps. Tout ce printemps, là. Oui. Et puis, donc, alors ça, c'est un autre projet encore. Hein. Et puis, donc, je regarde un peu tout ça, le parcours, mm-hmm. Le fait aussi d'être dans le comité, mm-hmm. Un côté un peu plus politique de la chose. Puis, est-ce que, j'ose demander, est-ce que la politique vous intéresse? Bien honnêtement, non, je pense pas. Pas pour le moment, pas du tout. Mm-hmm. Mais l'implication plus sociale, plus citoyenne, peut-être, mm-hmm. oui, mais j'essaierai toujours de le faire de façon artistique. J'aime beaucoup, la médiation culturelle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime bien faire des mentorats aussi. Donc ça, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là, mais non, c'est la politique, je crois pas. Parce mm-hmm. que, justement, j'ai trop de choses que je veux faire. Oui. ouais, c'est ça mon problème. Donc, mon envie de butiner est trop grande mm-hmm. encore. Puis la politique, c'est engageant, c'est quelque chose qui est demandant. La même chose pour quand je donne des ateliers, la majorité des professeurs me disent « pourquoi vous n'êtes pas enseignante? » Puis je fais « non, c'est trop... » J'aime le fait de pouvoir dire « bon, mais là, je fais ça pendant 2 mois, puis après, je fais autre chose. Mm-hmm. » J'aime être comédienne, mais à un moment donné, j'aime mm-hmm. écrire. Pour moi, c'est ça, c'est une balance qui est importante pour moi, un équilibre qui est très important pour moi de pouvoir aller d'un à l'autre. Mm-hmm. Oui. J'aimerais, on parlait de politique, oui. maintenant on va aller vers le recueil oui. et puis on avait choisi quelques textes oui. Parce que c'est quand même, vous l'avez dit, hein, vous l'avez écrit quand même assez rapidement, si on peut... Quand même, du moment où j'ai eu l'idée, j'ai après fait la demande et tout ça, oui. et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai quand même fait, on a l'impression souvent que souvent on me dit que c'est très personnel comme recueil, mais mm-hmm. j'ai fait énormément de recherches sur le rapport au désir dans les relations interraciales, mm-hmm. interculturelles. J'ai interviewé des gens qui vivaient un peu la même situation que moi, soit étant ici, mais venant d'ailleurs, mm-hmm. qui sont dans des relations avec les gens de la même culture ou pas. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, puis pour moi, c'était important de après ça, traverser ça avec ce que moi, je ressens, mais, mm-hmm. mais de travailler l'aspect plus réfléchi de c'est quoi aimer quelqu'un qui n'est pas pareil comme nous. Oui, donc, c'est ça. Puis c'est désiré. Voilà. Puis c'était important pour vous de l'écrire. Oui, de tout l'écrire. À fait. Oui. Donc, alors, on y va. Alors, je vous lis, c'est dans la section, moi aussi, le recueil est divisé en 6. Mm-hmm. Et donc, voilà. Tu veux le mirage, une fausse soumission, à peine voilée, peau brûlante, sablée, saline. Tu veux franchir les dunes, presque en mourir, parvenir à l'oasis, m'entendre blatérer, te dire « Tu m'as sauvée, c'est la première fois, moi, princesse prisonnière. Tu veux que j'écris ton nom,
sans jamais entendre le mien. Je veux l'épopée, une fausse résistance, que tu restes de glace. Je veux rougir, combattre la tempête, éviter de justesse l'avalanche suffocante. Je veux t'entendre grogner quand je te tiendrai encore, quand je tiendrai encore debout. Je veux mettre la hache dans ton cœur, que tu fendes en larmes. Je veux massacrer ton nom et te refuser le mien. Extraordinaire. Puis c'est drôle parce que lorsque moi je l'ai lu, hein, ouais. J'avais choisi aussi ces passages, ces deux-là, et puis ça a été aussi votre choix. Mais allez-y, oui, continuez. Oui, oui. Ces deux-là, c'est vraiment le. Tu sais, ça montre le. Quand on se sent exotisé. Exactement. C'est ça le moi ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de la femme exotique? Qu'est-ce qu'on attend d'elle? Qu'est-ce qu'on veut d'elle? Et qu'est-ce qu'elle accepte de s'exotiser, parce que des fois, il faut avouer que nous aussi, de notre côté, on joue peut-être des fois le jeu, donc pour moi, c'est important. Voilà. Donc, je vous en fais... Oui! Combien? On a le temps? Oui, on a le temps, on a le temps. Parfait. Alors, je vais vous en faire un sur cette fameuse honte qu'on a des fois dans l'autre section, « Toi, de là-bas ». Oui. « Achouma, la honte, familière assonance, puritanisme à l'anglaise, shame, chut, la chouma, étouffeuse de femmes, la chouma, attire les vautours. Apprendre comment marcher, lire, écrire, ouvrir l'œil, cacher ses jambes, comprendre comment marcher la nuit, lire les signes, écrire la honte, fermer les yeux. Goûter ses larmes et ce sang qui coule. J'en ai un autre pour vous que peut-être mes amis musulmans, arabes vont comprendre. Oui. Je dis « je te veux », tu réponds « Inch'Allah ». J'entends « Three is a crowd ». Est-ce qu'on a le temps pour un petit dernier? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais vous faire la section, parce que ça finit avec la sixième section qui est « Nous ». Parce que ça finit avec cette idée que cette femme qu'on suit tout le long de ce recueil finit par trouver un apaisement dans l'amour, dans le désir. Est-ce que c'est dans le corps d'un autre ou c'est ultimement dans sa relation avec elle-même? Elle-même, oui. Peu importe, mais... Donc, c'est le premier, je vous en lirai un autre après. J'ai souvent fait l'erreur de suivre mon chemin à l'œil. C'est dans le goût que je loge. Et là, je finis ça avec, voilà, c'est mon préféré. Tes bras frontières autour de mes vallons, tes lèvres actives. Sur ton torse, j'accoste, je m'exile en toi. Laisse partir le reste à la dérive. Debout, je souris. Si tu savais à quel point je voulais échouer ici. Wow! C'est magnifique! C'est magnifique! Elkana, les mots choisis et puis tous ces mots mis ensemble, là, ça donne tellement l'émotion. Moi, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit que tu étais pour écrire autant de belles choses. C'est gentil. Oui. Ben, avec toutes les recherches que j'ai faites, toutes les rencontres que j'ai faites, je suis partie m'isoler... Pour la partie écriture, je suis vraiment partie m'isoler pendant plusieurs jours. La première fois, c'était 10 jours. Je l'ai fait en plusieurs parties. La première fois, c'était 10 jours. Et ça a été vraiment de tu sais, j'avais pris plein de notes et tout ça. Donc, de relire tout ça et de repasser, disons, comme je m'adresse beaucoup dans le livre au-dessus. Là, c'est à la deuxième personne du singulier, beaucoup. Donc, c'était de me dire que je disais enfin peut-être à tous ces gens que j'ai rencontrés, que j'ai aimés, ce que j'ai pas pu leur dire. Donc, ça revient un peu, si on veut faire une boucle, ça revient un peu à exprimer, pas la colère, mais le désir et tout ce qu'on garde à l'intérieur de nous. Puis qu'on n'exprime pas. Exactement. Puis après, c'est un travail.
temps, on oublie, mais c'est un travail. Donc, après, on relit, on corrige. Il y a des gens magnifiques de la maison d'édition qui relisent aussi, qui proposent d'autres choses et tout. Fait que c'est un travail de longue haleine. Le plus difficile, c'est la réécriture. C'est pas le premier oui. geste, ça va, mais après, c'est comment on passe de cette idée de poème à un poème où on fait chaque mot est le bon mm-hmm. à sa place. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai tout dit. Il y a des poèmes qui se sont pas retrouvés dans le recueil parce que ils n'avaient pas leur place, parce que quand on réarrange le recueil aussi, oui, ben, oui. il y a des poèmes qu'on voyait moins qui deviennent plus grands, puis il y en a d'autres qu'on ne voyait pas mm-hmm. ou qu'on aimait, mais qui ne trouvent plus leur place. C'est tout un casse-tête. C'est, un c'est ça. Hein? C'est des choix c'est beaucoup de choix, c'est des sacrifices. Oui. C'est beaucoup de travail. C'est mm-hmm. énormément de travail. C'est une chose de trouver un premier mot bien, mais c'est quand même... Et j'adore ce travail-là. Oui, oui. J'aime beaucoup ça. Puis ce travail-là, il y a la maison d'édition aussi. Oui, est-ce exactement. Que, est-ce que c'est un travail que vous faites seul ou bien avec la maison d'édition non, dans les avec choix? Non, avec la maison d'édition, beaucoup. Ouais. Après, j'ai des gens qui relisent le texte et qui oui. me mettent des notes et tout ça. Yara El-Rahman, Rodney Saint-Éloi, Jonathan Lamy pour ce qui est de moi, Pomme Grenade. Mm-hmm. Et après, c'est de voir, tu sais, des fois, ah, oh, c'est pas clair ce poème-là. Qu'est-ce que oui. tu veux dire? Est-ce que tu es sûre de ci, de ça? Le premier jet, je m'étais fait dire, oh, tu vas pas assez loin, tu creuses mm-hmm. plus. Donc là, tu repars et tu creuses, tu essaies de pousser. Donc c'est vraiment, en soi, c'est quelque chose. C'est beaucoup de travail, mais oui. c'est fort agréable de le faire. Wow. Félicitations. Merci Elkana Talbib, vraiment d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, je rappelle que Elkana Talbib est autrice, comédienne et artiste de Spoken Word. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir au micro. Oui. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Nicolas Swartman à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous invite la semaine prochaine pour d'autres découvertes.